Oui. Il est venu à son papa. Mon papa est où? Son papa est là. Le voici. Vas-y, son papa. Vous l'avez envoyé pourquoi? Il est venu à ton fils, pourquoi? Si vous avez le mauvais esprit contre lui. Non, en fait. Mais il est sorcier, ton fils, quand il dit mauvais esprit, c'est quoi mauvais esprit? Bon, il parle. Quand ça a commencé le 1er janvier 2019. Il y a la sorcellerie. Il faut laisser, laisse les détails, tout ça. Mon détecteur, là, ça a cliqué, là, il est sorcier. Voilà. Menez-le là-bas de l'autre côté, on va le supplier de l'autre. Que Dieu vous bénisse. Sur le prophète, tu veux être assuré. Oui, appelez communément le maréchal de la brigade anti-sorcier. Ben, tout va bien chemin, par la grâce de Dieu. Voilà. Nous sommes dans un moment de prière. Aujourd'hui, à cette date, aujourd'hui, c'est le 15, je crois bien, vendredi 15, depuis lundi. Nous avons commencé un moment de prière, de veiller, comme vous savez, toutes les nuits. On veille, c'est avec toute la communauté, même les enfants, ceux de Tibo sont dans la prière, sont dans le moment de jeûne, en train de prier. C'est important. À un moment, il faut se retirer, il faut prier, mais ça ne stoppe pas mon travail. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre l'église cet après-midi. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas pu le faire parce que j'ai pas le sport, parce que c'est important aussi. Les moments de pause, je pars aussi faire le sport. J'étais très épuisé. Avec pratiquement 3 heures de sport que j'ai fait. J'ai fait aussi des sports. Parce que c'est important, il faut être en forme. Hein? Amen. Le cœur doit être en forme, il faut être en forme. Parce que c'est la longévité, il faut courir, il faut faire le sport. Hein? Je n'ai pas pu être là, donc j'ai signalé, j'ai dit aussi au secrétariat que je devais vous prendre aujourd'hui. Voilà, donc chose dite, chose faite. Voilà, nous allons, n'est-ce pas, échanger sur la spiritualité, parler du Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu pour cette rencontre. Merci de coordonner toutes choses, de bénir toutes choses. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, que vous fortifie davantage. Amen. Voilà, soyez bénis. Ok. D'abord, vous êtes dans un centre, c'est un centre de prière et d'évangélisation. Il faut que je précise les choses. Et prier en prie. Et nous évangélisons, nous amenons les gens à reconnaître comme Jésus-Christ, comme sauveur et Seigneur personnel, et à l'accepter, à marcher avec lui. Et le prophète Trasso n'est pas le centre de ce centre. Il y a Dieu dedans, il y a au nom Jésus-Christ, qui est, n'est-ce pas, que le pré-fondateur de ce centre. Nous ne sommes que des instruments. C'est-à-dire le prophète et tous ceux qui sont au centre, nous ne sommes que des instruments de la main de ce grand Dieu, n'est-ce pas, pour faire ce qu'il a envie de faire. Voilà, donc nous soumettons à sa volonté et c'est selon ta volonté qu'il agit. Alors, la spécialité du centre, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. C'est vrai que ce n'est pas facile, parce que dévoiler et détruire les œuvres de la sorcellerie, ça veut dire tu râles sur les représailles de la part des sorciers. Voilà, donc nous, c'est ça, mais on le fait avec beaucoup de passion. Voilà. Parce que c'est une vocation. C'est une vocation. On ne peut pas fuir l'appel. On ne peut pas. Voilà. Donc, on est dedans dans l'appel. Et puis, ça a beaucoup de passion. N'est-ce pas que ça a beaucoup de passion qu'on fait d'ailleurs. Voilà. Donc, que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse davantage, qu'il répande sa grâce sur vous. Amen. Qu'il vous bénisse davantage, que soyez fortifié. Il n'y a pas une solution, il n'y a pas un problème qui n'a pas de solution. Amen. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. S'il y a problème, c'est qu'il y a solution. Amen. Bon, nous, Dieu nous a fait la grâce, nous autres qui sommes allés à l'école, quand on veut poser un problème, déjà la première case, on dit solution. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? D'abord, le résultat. Et puis l'opération, c'est juste entre la dernière case là-bas. Pour vous dire, s'il y a un problème, il y a solution. Il y a d'abord la solution avant de donner le résultat et puis l'opération. C'est-à-dire, les petits trucs qui rentrent dans l'île de camp sont des petits trucs. Sinon, la solution est déjà là. C'est ça que la première case, c'est la solution. Oui, Dieu ne peut pas, n'est-ce pas, créer une situation sans qu'il ait une solution. Mais pour qu'il y ait une solution,
il faut que l'individu même, ton scellé, invoque Dieu. Il faut que la personne elle-même, n'est-ce pas, s'en rende compte que sans Dieu, elle n'est rien et qu'elle s'approche de Dieu. Alors, si on n'associe pas Dieu à nos situations, le problème demeure, le problème va demeurer. Parce qu'on ne peut pas trouver, on ne peut pas, n'est-ce pas, avoir un problème sans chercher celui qui en est la solution. Et pour nous, celui qui a la solution de nos problèmes, c'est l'Éternel. Pour nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth, mort, ressuscité dans les morts, qui est la solution de nos problèmes. Donc pour nous, le seul moyen pour que Dieu visite une personne qui est dans des situations difficiles, c'est de se tourner vers lui. C'est tellement simple. Simple comme de l'avoir, c'est tellement simple. D'autres cherchent la solution ailleurs, ils vont vers le fétichisme. Il n'y a pas de solution dans le fétichisme. Je vous le dis et je le répète, aucune solution n'est dans le fétichisme. Voilà. Il n'y a pas de solution chez les marabouts. Il n'y a aucune solution chez les marabouts. Il n'y a que Dieu seul. Vous êtes au centre. On ne vous a jamais dit, on ne vous a jamais proposé de tout. On ne fait pas du maraboutage ni du fétichisme. Nous, pour nous, c'est un visage découvert. Pour nous, on ne cache rien. Heureusement pour nous, tout est mis à nu. On ne cache pas nos yeux. Ça se fait devant tout le monde. Rien n'est caché. Voilà, rien n'est caché et tout ça. Mais en même temps, nous combattons les œuvres du diable. Nous combattons les œuvres du diable. Et en même temps, nous reprenons par la grâce de Dieu ce que le diable a utilisé. Parce qu'à un moment donné, nous ne voyons plus, nous voyons le diable en ces personnes. Que le diable doit sortir, mais en même temps, récupérer ces personnes et utiliser par le diable. Tout comme fait Dieu seul fait miséricorde à qui il veut. Voilà. Pour nous, la sorcellerie, il a fait la sorcellerie, il a tué, c'est vrai, tué, détruit, ça fait mal. Voilà, ça fait mal. Mais pourquoi on en arrive là, hein? C'est que c'est le plan de Dieu. Ou qu'on en arrive là, c'est que Dieu, juste au centre là, c'est que Dieu fait même miséricorde à celui qui a Dieu. Dieu ne fait que la grâce à celui-même qui est même dans la sorcellerie. Mais encore, les victimes, c'est ça le problème. Vous savez très bien les sorciers, ils connaissent leur bouche. Vous savez que très bien les sorciers, quand ils détruisent, ils ne peuvent même plus eux-mêmes gérer la situation. C'est ça le problème. Ils ne sont pas capables de gérer la situation parce que c'est plus fort qu'ils ne peuvent pas. Or, Dieu en est la solution, il peut encore régler toute situation dite impossible. Dieu peut régler ça. C'est pour cela que je vous dis que Jésus-Christ en est la solution. Amen. Alors, ensemble, par la grâce de Dieu, nous allons, n'est-ce pas, aborder des sujets très importants. Enfin, de prier pour vous. Ça, c'est beaucoup très important. Enfin, de prier pour vous. Les yeux du diable doivent être mis en nuit. Ça dit quoi? Ce qu'ils ont fait, ils doivent le dire. J'ai toujours dit aux gens, Dieu sait que chacun a péché. Mais pourquoi Dieu aimerait qu'on confesse? Non, Dieu, tu sais très bien que ce qui je suis, il dit, il faut parler. Je sais, mais dis ce que tu as. Ou bien, Seigneur, tu connais mon problème. Oui, je connais ton problème, mais dis exactement ce que tu veux. Mais Seigneur, tu connais mon cœur, parce que rien n'est caché au niveau de Dieu. Mais Dieu aimerait qu'on prie. Il vous dit, il y a quand même une volonté. Et c'est cette volonté-là sur laquelle Dieu se base pour délivrer la personne qui s'approche d'elle. Alors, si nous voulons voir Dieu nous délivrer, nous pardonner d'une situation terrible, une situation, il faut que nous confessions nos péchés. Amen. Amen. Personne n'est parfait, mais la sorcellerie, ça détruit, ça dissime les familles, ça détruit. C'est ça le problème de la sorcellerie. Et ignorer la sorcellerie, c'est aussi donner une place dans la société au diable de pouvoir détruire. C'est pour ça que nous disons aux gens, nous interpellons les gens pour dire, c'est, vous pouvez ne pas aimer le prophète Crasseur, vous pouvez le vilipender, mais la sorcellerie existe. Quels sont les moyens que vous déployez vous autres, n'est-ce pas, pour que ce fléau s'arrête? Parce que je ne suis pas le seul. Les Occidentaux ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge. Ils ont combattu la sorcellerie. Du 15e siècle, 17e siècle, ils sont rentrés dans le 18e siècle. Qu'on appelle le siècle de lumière, la révolution du soleil. Je ne suis pas celui-là qui fait la promotion de la sorcellerie. J'ai fait le dévoilement pour dire c'est mauvais. C'est mauvais. Il faut qu'on en trouve une solution. Pour nous, la solution, c'est Christ. La preuve, c'est qu'on a déjà délivré plus de 10 000 sorciers. La solution ne se trouve qu'en Jésus-Christ. C'est tout. Voilà, c'est tout. Il n'y a que Dieu seul qui peut délivrer les gens de la sorcellerie. Tu peux être un sorcier. Nous, on a délivré des gens sans sorciers, sont venus des pasteurs. On a délivré des sorcières qui sont devenues aujourd'hui même ma secrétaire, qui sont devenues qui chantent la chorale. On a délivré des sorciers qui sont devenus des enfants brillants, même à l'orphelinat.
Les enfants qu'on avait dit sorciers, ces personnes-là, ou ces enfants-là, aujourd'hui, ils sont brillants, les corps sont les premiers de leur classe. Ils sont meilleurs de leur classe. J'ai une jeune fille, et qui sont, on l'a menée dans un centre, on l'a enchaînée pendant 2 années dans des chiens. Quand elle est dans le centre ici, et je l'ai récupérée, son père avait peur d'elle. J'ai prié pour elle, elle a été délivrée. Aujourd'hui, elle est au centre là-bas. Elle est en sixième. Elle est la première de sa classe en sixième. Et nous, nous investissons en elle. Le diable rend les gens mauvais, Dieu les rend bons. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, le combat que nous devons mener, c'est de récupérer les gens et à les amener, n'est-ce pas, à faire la volonté de Dieu. C'est ça. Nous ne sommes pas les gens qui font des procès, juger les gens, les condamner. Pour nous, chaque individu a besoin de recevoir la grâce de Dieu. Et quand on dit la grâce, c'est un don immérité. Il a tué, il a fait. Mais qu'est-ce qu'on fait pour l'aider, n'est-ce pas, afin de pouvoir entrer dans la grâce de Dieu? Alors, voici le combat que nous menons par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors, donc, tout ce que vous allez entendre, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que ça va choquer les gens. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y a la solution. Après le choc, il y a la solution. Amen. Voilà, donc c'est la solution que nous cherchons avec Dieu. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Il fait chaud là-bas. Très chaud. On est en glace ici. Ah, chez nous ici, vraiment, ça n'y va pas. C'est ça la différence. Mais ça va aller, amen, que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu vous fortifie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse dans votre temps. Amen. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse. On va essayer de passer à l'essentiel, prier pour vous tout à l'heure. J'ai maintenant le temps avec vous. J'aurai l'occasion de parler avec vous, prier pour vous par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ok. Ton fils, il est où? Il est là. Bien. C'est pas moi qui vous ai envoyé ici, hein? Mais là. Petit, ça va? Il est mauvais. Est-ce qu'on se connaissait, toi et moi? Non, prophète. Si, je ne même pas là-bas pour dire, mais on se connaît même pas. Je t'ai vu la dernière fois, j'ai dit quoi? Tu m'as dit que je suis sorcier. Tu as dit que j'ai l'esprit de sorcellerie. Est-ce que j'avais déjà causé avec toi quand je disais ça? Non, prophète. Ok. Est-ce que tu avais déjà dit à ton papa que tu étais sorcier? Non, prophète. Mais pourquoi? Mais tu reconnais ta sorcellerie? Prophète. Voilà. Dans le micro à ton père, je vais régler vos problèmes. Vos gueules, la vieille, ça va? Comment vous appelez, monsieur? Moi, c'est Nguessambrou. Ah, monsieur Nguessambrou. Voilà. Ah, oui. La dernière fois, je pense que vous étiez là. Oui. Quand je disais qui est le petit qui est devant, on a dit, j'ai dit qu'il avait l'esprit de sorcellerie. Vous avez dit quoi? Oui, j'ai dit c'est mon fils. Vous avez dit que c'est votre fils, qu'il a mauvais esprit. J'ai dit non, il a l'esprit de sorcellerie. Ah. Mais avant que je ne parle avec lui, est-ce que j'avais déjà causé? Non. Ok. Mais après, qu'est-ce qu'il a dit, le petit? Il reconnaît sa sorcellerie? Oui. Il a reconnu sa sorcellerie? Il a reconnu. Mais pourquoi vous l'avez pas... Est-ce que vous l'avez demandé pour moi de venir? Pourquoi vous n'avez pas dit ça? Qu'il était sorcier? Bon. Et que vous a laissé venir au centre là-bas sous prétexte qu'il a mauvais esprit? Bon, nous, quand nous sommes arrivés, les mauvais esprits sont tombés. Comme nous, on ne maîtrise pas. Non. Hein? Il dit, on a vu qu'il avait des mauvais esprits. Oui, non, voilà. Ça c'est normal. Voilà. Tu agis comme un parent. Voilà. C'est normal, c'est une réaction normale d'un parent qui constate quelque chose d'anormal dans la vie de son fils. C'est normal. Oh, oui. Mais je pose la question. Je reviens à la question. Avant de l'envoyer au centre, pourquoi ton fils qui est sorcier n'ose pas te le dire avant de l'envoyer au centre? C'est la question. En tout cas, il ne l'a pas dit. Non, mais demande-lui, est-ce que tu lui as demandé, puisqu'il a reconnu la sorcellerie, il faut lui demander. Oui. Tu as ton plein droit de lui dire, mais attends, tu as la sorcellerie, tu nous as fait croire que c'est l'esprit de le mauvais esprit, mais pourquoi tu n'as pas osé lui dire? Oui. Et ça, c'est très important pour vous. Oui, je lui ai même demandé, il m'a dit que, bon, il a peur de nous dire. Il veut nous parler. Ah, d'accord. Mais il veut nous parler, mais le père Jésus lui dit de ne pas nous dire. Faut me passer. Oui, là, un micro. Quelque chose vous empêche quelqu'un dit de ne pas dire. Il faut faire. Mais pourquoi? Il dit que si je dis à mes parents que je suis sorcier, ils vont me tuer. C'est pour cela.
Ils disent que... Qui dit ça? Notre reine. Hein? La reine. Elle est où? Elle est dans le camp de sorcellerie. C'est qui ça? C'est une vieille à Djoko. Toi, tu es à Djoko? Non, prophète, il baoulé. Tu faut pas aller à Djoko? Prophète, il fréquente dans les villes, dans les villages. C'est là-bas qu'il fréquente. Où? À Dabou. Tu fais quoi là-bas, Djoko? Je fréquente là-bas. Donc c'est à Dabou. Du prophète. Oui, dans un village. À Dabou. Non, c'est à Dabou, vu je suis. Mais pourquoi c'est dans Dabou là? Dabou, il y a tout le monde, il y a les Morosi, il y a les Bété, il y a les Dida. Non, prophète, c'est un ami de classe qui m'a donné ça. Hein? C'est un ami de classe. Il t'a donné ça pour aller un peu fort. Il m'a donné ça avec de la viande de poulet. Comment ça? Faut expliquer. Un jour, j'étais assis, mes parents n'ont pas amené de l'argent, j'avais faim. J'avais quoi? J'avais faim. Oui. J'étais assis à l'école, et il m'a demandé. Oui. Il m'a demandé pourquoi il s'est assis calmement. Il dit j'ai faim. Il dit de lui, si on va aller au marché. C'est là-bas, il a acheté viande de poulet. Cinquième. Ah, t'es en cinquième, mais c'est bien. C'est là-bas, il a acheté viande de poulet, bien à manger. Il a acheté viande de poulet. Oui, prophète. On vend viande de poulet. Oui, prophète. Dans le marché, marché de l'école. Comment ça? Dans le marché de l'école. Ah, dans le marché de l'école, c'est possible? Oui. Hein? Oui, prophète. À l'école, maintenant, c'est bon, hein? Il y a poulet là-bas, tout ça. Avant, chez nous, c'était maca, tout ça. C'est pas là qu'il a acheté. Les claclos. Là-bas, il y a poulet. Hein, c'est bon? Oui. C'est par là qu'il a acheté le plat et puis on a mangé. Quand on a mangé, c'est là à la maison à midi. La nuit, quand j'allais me coucher. Attends, c'est la récréation ou à midi? C'est la récréation. Quand on a fini de manger, on est retenu en classe. Quand on est retenu en classe. Alors, papa, t'as pas donné l'argent pour aller à l'école? Il m'a apporté l'argent, mais le jour où mon argent était déjà fini, je l'ai appelé. Ils m'ont dit que l'argent va venir, mais d'attendre. Tu vis avec qui à Dabou? Mon grand frère. Hein? Mon grand frère. Et ton père, il vit où? Il vit dans un village. À Yorobo. Dans le village où il y a une usine de Pamsi, d'huile rouge là. Je peux lui demander un peu? Oui, prophète. Je suis présent. Je suis descendu. Oui. Ça vous va? Oui, ça va, prophète. Excuse-moi, c'est pour les questions. Moi, je pose un peu des questions. Oh oui. Je suis un peu désolé, mais je veux comprendre. Oh oui. Vous vivez dans la région de Dabou? Bon, en fait, l'enfant, quand il a eu son entrée en sixième, je l'ai envoyé à Dabou. Et nous sommes en... Et vous qui l'avez envoyé, où on l'a fait? Nous l'avons fait à Dabou. Voilà, on l'a fait à Dabou. Oh oui. Et vous vivez où, dans quelle région? Bon, je suis dans le département, derrière Dabou. Il y a un village qu'on appelle Yorobo, en allant à Laou. C'est la région de Dabou. Oui, oui, c'est la région de Dabou. Oui, mais c'est la région de Dabou. De chez nous, Dabou, ça fait 800 francs de transport. C'est loin quand même. Oui, oui. 800, c'est beaucoup. Donc, j'ai envoyé. 800 francs, c'est fort pour arriver là-bas, quoi. Oui, oui. C'est loin quand même. C'est 800, c'est bon. C'est combien de kilomètres pour arriver à Dabou? 47. Ah oui, c'est énorme. Donc vous louez une maison pour Dabou? Ouais, voilà, je loue une maison à Dabou. Oh, ok, je comprends. Non, il est avec son grand frère. Il est avec son grand frère. Oh, oui. Ok. Donc quand la situation s'est présentée, il était dans quel état? Bon, au fait, c'est le 1er janvier 2019, là, quand ils sont venus en vacances. Mm-hmm. Le premier jour de... Et la vieille, asseyez-vous d'abord. Le 1er janvier, nous avons mangé. Après, dans la soirée, vers aux environs, le soir à 19h, nous sommes allés le trouver derrière la maison, il est couché là-bas. Ah bon? Après oui. L'avoir mangé le 1er janvier? Oui, oui. Il allait se coucher? Il y avait un parent qui était venu à la maison, on allait lui accompagner. Quand les grandes personnes viennent, avant de sortir, ils disent, ah lui, bon, merci, on a demain. On allait trouver tout juste qu'il est couché derrière la maison. C'est là, moi et sa maman, le vieux a torché sur lui. Il a dit, mais ah, oui, c'est parce que c'est pendant la fête.
Il a torché sur lui. C'était dans la nuit alors. Oui, aux environs 19h. Quand le lit a torché, il a dit, ah, ce qui est fatigué, et puis il est venu se coucher ici. Et tout son âge, j'étais au coup d'œil, on voit que c'est notre enfant. Mm-hmm. C'est là, on a dit, ah, mais l'enfant a eu quoi? Il nous a pas dit qu'il était malade aussi. Mm-hmm. Et on l'a touché, touché. En tout cas, il était calme. Tout d'un coup, il s'est levé. Il a commencé à fuir. En fuyant, bon, moi au début, je ne prenais pas ça au sérieux. Il a commencé à fuir. Oui, oui. Il a commencé à fuir. Ah. Et sa maman lui a suivi. Donc, quand vous l'avez vu, que vous avez constaté que c'était votre fils. Oui, oui. Ah, vous l'avez interpellé. Et on l'a réveillé à ce moment-même là. On dirait qu'il dormait. Genre, moi, il... Ah, donc on dit qu'il dormait. Voilà. Et donc, vous l'avez touché pour lui. Touché. Aimant. Et puis, dès qu'il s'est levé net, il a commencé à s'enfuir. Donc, sa maman lui a suivi. Parce que comme c'était la nuit, sa maman lui a suivi. Ouais. À ce moment, il était à la maison. Il était un peu paniqué. Il dit, ah, mais l'enfant a eu quoi? Donc, quand sa maman l'a suivi, après ça, il n'a plus vu. Il a essayé de demander au voisin, ah, vous n'avez pas vu mon fils ici? Et là, il y a un petit qui a dit, ah, voilà, elle m'en a passé ici de suite là. Et elle s'est dirigée là-bas. Elle allait trouver qu'elle est couchée encore de l'autre côté. Elle lui dit, Emman, tiens quoi? Il y a quel problème? L'enfant dit que non, ce n'est pas Emman. Que ce sont ses génies. C'est comme ça que les problèmes ont commencé. L'enfant même nous parle. L'enfant qui a dit ce sont ses génies. Notre fils même qui est présent là, en face de nous, nous dit que ce n'est pas lui-même Emman. Que ce sont... Lui-même Emman là? Oui, oui. Il nous parle. Ah, pour nous dire que ce n'est pas lui. Emman, l'esprit dit, ce sont ses génies. Ah, ok. Voilà. Donc, c'est par là les jours ont commencé. Donc, sa maman l'a envoyé à la maison. Moi, je suis venu, je l'ai croisé. Il dit, maman, tu as quel problème? Il dit, il ne faut pas m'appeler Emman. Que ce sont ses génies. Nous sommes les génies, nous sommes des amis d'Emman. Que ce n'est pas votre fils. Que c'est nous, sommes les amis d'Emman. Qu'on nous appelle Asiaoussou. Asiaoussou, génie, qui remit la terre. C'est pas là. Je connais. Donc, c'est là les choses ont commencé. Il a commencé à parler des trucs. Gens comme consultation, tous ceux qui viennent. Voilà ça. Il y a des gens qui sont contre moi, qui veulent m'abattre. Mais au fait, lui, sincèrement, il n'est pas prêt. Que ces génies disent qu'ils ne sont pas prêts pour céder la place, qu'eux, ils sont en sécurité dans la cour. Qu'ils ne veulent pas. C'est là les choses ont commencé. Donc, arrivé certains moments, quand ça lui laisse, on lui demande, Emman, ça va? Il dit oui. C'est toi? Il dit oui, c'est moi, Emman. Est-ce que ce qui s'est passé là, tu as vu des temps? Il dit non, pas, je n'ai rien vu des temps. On lui explique, il dit non, lui, il n'a pas dit ça. Donc, depuis 1er janvier jusqu'en avant qu'on revienne ici, il est là deux fois. Bon, ça lui laisse deux jours, troisième jour. Souvent, ça vient. Il s'enfuit, il fait des trucs, il parle. En tout cas, moi-même, là, depuis 1er janvier jusqu'aujourd'hui, je suis paniqué. C'est aujourd'hui là même, là, Dieu, par la grâce de Dieu, je me retrouve un peu. En tout cas. Depuis que vous l'avez envoyé au centre, est-ce qu'il a fait une crise? Non. Vous êtes là depuis quand? Combien de temps? Nous sommes arrivés ici le jeudi. Ah, le jeudi passé. Ça fait une semaine. Oui. Ah, ce jeudi-là? Jeudi. Bon, hier, jeudi, ça fait une semaine. Ah, mais ça fait une semaine. Hier, jeudi. Vous êtes là pendant il y a une semaine, est-ce qu'il a fait une crise? Pas encore. Bon, quand nous sommes arrivés, je vais donner quand nous sommes arrivés le dimanche, quand le pasteur a mis la main sur lui, il lui a donné gel. Donc, on était en prière le dimanche. Donc, dans la prière, il a vu qu'il était en face de moi, il est tombé. Et quand il est tombé, après ça, on a prié jusqu'en. Quand le pasteur a dit, ah, bon, alléluia. Non, c'est parce que je voulais entendre. Mm-hmm. Est-ce que les crises qu'il faisait, il parlait, pouvait, tout ça, ce qu'il a fait ça là-bas? Non. Quand on est arrivé, il n'a plus fait ça. Ok, maintenant je vais lui demander. Laisse-moi lui demander, poser la question. Ok. Herman, ça va? Il vous fait. Ok. Je viens d'écouter ton histoire. Je viens d'écouter ton histoire. Ok. Et ton père dit, ça a commencé le 1er janvier. Il vous fait. D'accord. Et tu as fait toute une série de crises. Il vous fait. Enfin, c'était une mise en scène. Explique-nous pourquoi la crise. C'était quoi au juste? Ce sont les esprits en classe de 1, CM2. Les esprits sont venus. J'étais non, à l'école. Stop. Tu es sorcier ou pas? Si, je suis sorcier. Voilà, on va parler sorcellerie. Parce que ce que tu entends de dire là, je ne suis pas dans ce que tu entends de dire.
Moi, je t'ai dit la dernière fois, tu es sorcier. Donc, faut pas m'envoyer dans des mises en scène, des conneries. Parce que là où la voie dans laquelle tu t'entends, je ne suis pas dans ça. Tu es sorcier ou pas? Pouvais être sorcier. Ok. Là, je ne te mets pas la pression, je ne le force pas. Hein. Je n'étais pas obligé de parler dit sorcier. Voilà, ton papa est là. Est-ce qu'on l'a obligé? Monsieur Guessa, est-ce qu'on a bien ton fils de dire qu'il est sorcier? Non. Et moi-même, hein? Prophète. Non, est-ce qu'on a obligé ton fils à reconnaître? Non, vous n'avez pas voilà, obligé. Okay. Oui, c'est la question que je veux. Mmh. Voilà, maintenant, il dit, comment tu as eu la sorcellerie? Herman, comment tu as eu la sorcellerie? J'ai eu la sorcellerie par mon ami, en classe. C'était en quelle année? 2018. Oui, prophète. Comment ça? Explique-nous. 2018 passé là? Oui, prophète. En classe de 6e. Comment tu as eu la sorcellerie en 2018? C'est mon ami, il a acheté de la viande de poulet sans la manger. D'accord. Quand on est parti à la maison, à l'hectare de quand on est parti à la maison. Ouais. Quand il s'est allé me coucher la nuit à minuit, il est venu m'appeler. Ouais. Dans ça, on est parti. Hein? Quand on a quitté de l'école, on est parti à la maison à midi. La nuit, quand il s'est allé me coucher, c'est là qu'il est venu m'appeler. C'est là qu'il m'a mis son dos, il était épervier. Il m'a mis son dos et on est parti dans le camp de sorcellerie. Quand on est arrivé là-bas, ils m'ont donné du sang dans un gobelet. Et l'intestin. Ils m'ont dit l'intestin que je vais. Quel sang? Sang de l'homme. D'accord. Intestin de l'homme dans une assiette. D'accord. Et ils m'ont dit de manger, j'ai mangé. Ils m'ont dit de boire le sang, j'ai bu. Mm-hmm. Et ils m'ont dit ce que j'ai bu, c'est le sang de l'homme. Et l'intestin, c'est l'intestin de l'homme. Qui a parti de suite dans la sorcellerie. Mm-hmm. Et ils m'ont dit ce que j'ai bu là. Et ce que j'ai mangé là. Et remboursé. D'accord. Qui a donné quelqu'un de ma famille. J'ai donné le bébé de ma tante. Non, donc on t'a dit de rembourser. Du prophète. Oui, donc tu as pris qui? Tu voulais donner qui? Tu as fait quoi? J'ai donné le bébé de ma tante. J'ai gardé sa grossesse. Elle est morte en quelle année? Elle n'est pas morte. Ok. J'ai gardé sa grossesse. Non, je ne comprends pas. Tu as gardé le bébé, c'est le bébé de qui tu as donné? Le bébé de ma tante. La petite de ma maman. La petite de ma maman. Et l'enfant est là? Non, non. Je comprends pas. Explique bien. J'ai tué l'enfant. Ah oui, tu l'as tué. Oui, prophète, dans son ventre. J'essaie de me poser la question, l'enfant est mort, tu dis non. J'ai tué l'enfant. Tué l'enfant. Comment? Je sais. Quand ils m'ont dit de donner quelqu'un, ils vont me donner le pouvoir. Et le sang que j'ai bu de rembourser. Donc, je suis allé une nuit dans la chambre de ma tante. Et j'ai pris ma main. J'ai mis ma main sur son ventre. Sur la grossesse. Elle est enceinte, c'est ça? Oui, prophète. D'accord. Et j'ai mis ma main sur son ventre. Il y a un panier dans ma peau. Le pouvoir qu'ils m'ont donné. Papa? Un panier. D'accord. Et j'ai pris le bébé dedans pour aller donner à la reine. Dans le camp des sorcelleries. J'ai transformé le bébé en cabri pour aller donner là-bas. C'est par là qu'ils ont égorgé le bébé. Monsieur Guessa. Oui, professeur. Vous êtes au courant d'une histoire de une de la vos belles sœurs qui a perdu une grossesse? Oui, oui. C'est en quelle année? Bon, c'est l'année passée. Hein. C'est l'année passée. En 2018. En 2018. D'accord. Effectivement. La grossesse avait combien de mois? Bon, elle avait son mari à Abidjan. Nous aussi, nous sommes à Irobo. Mais c'est pratiquement. Oh. Voilà. Nous ne sommes pas dans le même village. Mais c'est qu'elle doit avoir. Elle la connaît très bien. Il la connaît très bien. D'accord. Elle va souvent même. Quels sont les liens? Bon, c'est la plus à ma femme. Mais donc, elle est plus proche d'elle, c'est ça? Oui, c'est son fils. C'est son fils, si je sais.
Après, sa tante a pu l'ignorer aussi. Est-ce qu'elle est plus proche d'Armand? Est-ce qu'ils échangent souvent ensemble, tout ça? Bon, pas trop. Ouais. Mais Armand la connaît. Elle la connaît. Elle est même allée là-bas au moins deux fois, elle rend visite là-bas à son mari. Même l'année suis passée, elles ont fait taire mon là-bas. Ah ok, maintenant je comprends. Voilà. L'année suis passée, elle a fait taire avec. Voilà. Oui, voilà. Oh. Mais c'est cette grossesse-là que tu as détruit. Oui, pour fait. On ne te met pas la pression, on ne t'a pas dit de nous raconter des coloris. Donc c'est ce que tu as fait. Oui, pour fait. Le bébé, ça fait 13. Tu as tué 12 personnes. Hypophète. Plus le bébé n'arrête pas. Depuis que tu es sorcier. Depuis que tu es sorcier. Hypophète. Ok. Tu peux me donner le nom de 12 personnes avant le nom de. Dis-moi, deux personnes que tu baptises, que tu as tuées. Après, ça va deux noms de deux. J'ai tué le petit frère de celui qui m'a donné la sorcellerie. Mon ami m'a donné la sorcellerie. J'ai tué son petit frère. Pourquoi c'est toi qui dis son petit frère? C'est la reine qui nous a envoyé. Mais la reine t'envoie là, elle dit, pourquoi tu t'y vas dans ta famille? Non, elle l'a allé tuer le petit frère de. Mais dans ta famille, proche de toi, qui tu as tué? J'ai tué le bébé de ma tante là. Oui, ça tu as bien dit. Qui d'autre? J'ai attaché mon papa, ma maman, ma petite soeur. Non, ça tu as attaché, ça ne veut rien dire avec tué. À part le bébé, je n'ai pas encore tué quelqu'un de ma famille. D'abord. Ok. Et donc, tu as tué les 12. Ils ne sont pas les gens de ta famille. Non, pour faire. Et tu as attaché ton papa. Oui, pour faire. Et pourquoi? C'est la reine qui a demandé ça. Elle a dit d'envoyer les gens de. Mais la reine peut demander, puis toi, tu te suis dit non. Ça va être ton accord. Pourquoi tu m'as attaché? C'est la reine qui a demandé de l'attacher. Pourquoi tu n'as pas refusé? Mais la reine peut te dire aller tuer ou tu peux dire non. Pouvette, il y a tout dit, elle dit non, qu'elle ne veut pas. Et d'aller chez mon papa pour venir attacher. Il y a tout donc dit. Il l'a attrapé. Oui, prophète. Mais c'est bien, ils ont dit vous attraper. Il m'a dit ça hier. Comment tu peux attraper un monsieur comme ça, l'attacher comme cabri? Mais l'attacher où? Dans le camp de la sorcellerie. Il est quoi là-bas? Il est transformé en cabri. Ah, en cabri? Les cabris font beaucoup de bruit. Hein. J'ai toujours dit aux gens que tu ne peux pas voler cabri dans le village. C'est ça. Tu peux tout voler, mais cabri, si tu es essayé, le village se réveille. Mais le cabri est trop dangereux. Non, c'est cabri que tu as fait. Après, j'ai attaché ma maman. Le Seigneur s'est envie d'être attaché comme cabri. Là. Ah, c'est ça. En tout cas, c'est Dieu seul qui peut me détacher. Ah, tu seras détaché. Amen. Si tu es cabri, hein, à quelqu'un des. On avait les gars là. Adjoukou. Ah, Adjoukou, c'est terrible. Et là, quelqu'un a un soupe de cabri. C'est dangereux. Après, mon papa l'a dit. Mon papa est là quand il est cabri là-bas. Oui, prophète. Il n'a pas encore posé de questions. Maintenant, qui va te nourrir après? Est-ce que tu as réfléchi à tout ça? Pouvez, tu as pensé à tout ça? Oui, prophète. Est-ce que tu as pensé à ton avenir? J'ai tout ça. Quand vous intégrez, on n'a pas dit non, vous pouvez faire vos sorcelleries. C'est pas bon. Hein? Si tu veux faire, tu fais ta sorcellerie, est-ce que tu es obligé d'aller donner ton père et ta mère? Est-ce que tu penses un peu à ton avenir? Il y a tout ça aussi, cette capacité de réfléchir à demain. Pouvez, tu as réfléchi à cause de la reine que non. Elle a dit que non. Tu as réfléchi à dire non. Va dire à ton papa. Viens dire à ton papa. Vraiment, j'avais peur de dire à mon papa. Arrête-moi de pleurer. C'est la vie humaine. C'est une vie humaine. Quelqu'un qui t'a engendré, qui t'a mis au monde. Tu as rêvé, tu as dit, il a dit non. Mais tu te réveilles le matin, tu dis à ton papa, même si elle te tue, on meurt pour une cause. Pour une bonne cause. On meurt pour une bonne cause. C'est comme ça. Pour la vie qu'il t'a donnée, on veut l'éliminer. Pour ça, tu es obligé de dire à ton père.
Tu es obligé de dire à ton père, tu m'as mis au monde, je suis rentré dans une histoire de sorcellerie, mais voici ce qui se passe aujourd'hui, on veut me tuer. Donc, bon, moi, je ne veux pas, mon papa, voici ce qui se passe. Mais je pense que ton papa va dire, mais voici un bon enfant. Quand tu me dis, tu as tout fait comment? En fait, pour dire à mes parents, j'avais peur. Non, c'est pas la peur qui compte. La vie de ton papa est en danger. C'est pas ta peur. Moi, je ne parle pas de ta peur. La vie de ton père est en danger. Elle te dit de tuer ton père. Dis-la, avoir peur, c'est pas ça qui est important. Mais le prendre, venir l'attacher dans la sorcellerie, c'est ça qui est plus dangereux que ta peur. Quand tu dis j'ai peur, mais tu l'as déjà fait. Ils vont tuer ton papa. Entre j'ai peur de dire, et puis entre ils vont tuer ton papa. Tu choisis quoi? Parce que toi, tu ne veux pas mourir. Mais on meurt pour une bonne cause. Ton père, on l'a attaché pour une raison de sorcellerie. Et toi-même, tu en es conscient. On te dit d'aller l'attacher. Et tu te lèves le matin, la nuit, tu vas attacher ton papa qui t'a mis au monde. Mais comme t'as dit, dans un camp, et puis on est mangé avec Akiki, à Goudiam. Et ça, tu es conscient que ton papa est attaché par toi dans la confrérie. Et tu le regardes. Et toi, tu ne peux pas. Tu le regardes, tu sais que tu es en train de détruire la vie d'une personne qui t'a engendré, qui s'occupe de toi. Mais tu pourrais quand même dire, bon, pour ça, bon, je m'en fous même si je meurs. Je vais en parler à mon père. On met pour une bonne cause. Hein. La vie, là. On met pour une bonne cause. Hein? On avait un Africain ici, un Malien, qui avait un petit blanc en haut là-bas dans le quatrième étage. C'est pas ça? Il y a quelque chose de venu se mettre devant là, c'est quoi? Non. Voilà. On avait un Africain ici. Il a couru, il a dit, bon, la vie de l'enfant en danger. J'ai sacrifié ma vie pour aller le sauver. Il a aimé l'enfant, le quatrième état, il a eu la nationalité française. Mais il ne pensait pas avoir la nationalité française, non. C'est pas ça qui l'animait. Lui, il se garant pour lui sauver une vie. S'il mourait, c'était pour une bonne cause. Mais toi, ton père qui te met au monde, étant en danger, au lieu de l'aider, toi tu trouves bon de le tuer. Et le manger avec sauce, que Dieu nous sauce sur pépé soupe. Sous ce cabri avec Akiki Abidama. Le pauvre. Il est couché là-bas, il fait bé. Comme cabri dans votre camp. Il va au travail même, il a l'esprit de cabri là-bas. Il va pas être là déjà transformé. Comment tu réfléchis, toi? Je réfléchis que j'ai fait mal. Non, tu l'as déjà fait. Au fait, je reviens sur l'histoire où tu dis que tu avais peur. Mais tu as peur de ne pas informer tes parents. Mais tu l'as fait. D'accord? En fait. C'est-à-dire que tu penses qu'il y a toi. C'est de l'égoïsme. C'est l'égoïsme. Toi, tu ne penses qu'il y a toi. Tu es un esprit où tu penses qu'il y a toi. Je pensais que quand j'allais dire à mon père allait dire que dans ce contrat, tu voulais me faire. Donc, il n'allait pas payer mon école encore. Et dit, tata, tu es menté. Quelqu'un doit venir sauver, il va pas payer ton école. En fait, il veut quitter la sorcellerie. C'est que tu as dit quoi? Non, il est dit, c'est quelque chose, il ne peut plus où il est là. Il a fait trop du mal. Donc, il n'a qu'à se soumettre ou demander Non, c'est pas question de soumission. Il est déjà foutu de lui. Mais je suis en train de l'amener à comprendre ses motivations. Oh, oui. Moi, je veux comprendre ce qui l'a motivé à arriver quand elle arrivait jusqu'à là. Ok. Oui, je veux aussi comprendre. Moi aussi, je veux comprendre. Oh, oui. Oui. Je veux aussi comprendre parce que, quand même, l'âge qu'il a, il a aussi cette capacité, c'est un intellectuel, il est en cinquième. Il réfléchit. C'est ça. Voilà, il réfléchit, même si on lui dit de faire, ça va d'abord réfléchir. Pourquoi ce jour-là, il n'a pas cette capacité de réflexion? Il m'a dit, il a eu peur. Ok, la peur ne veut rien dire, mais une vie qui est en danger, tu préfères sauver cette vie en danger que ta peur.
Comme ça, je sens de le dire, ou dire dans la vie, on meurt pour une bonne cause. Pour une bonne cause, mais c'est bon. Mais ton père qui t'a engendré, et tu portes son nom, il est en danger, tu le regardes. Là, tu as envie de manger quoi? Tri quoi? Tri de cabri. C'est ça, il ne peut pas acheter pour toi pour manger dans le village. Avec un cliquet. C'est ça, il ne peut pas acheter. Tu le laisses et tu veux qu'on le détruise. C'est ça le problème. C'est ça le problème entre toi et moi, Herman. Tu n'es pas la seule personne à qui je pose cette question parce que par moment, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas aussi à comprendre, mais je dis ben, la sorcellerie, c'est sauvage, quoi, c'est bête. Prophète, le jour qu'ils m'ont demandé, le matin que je me suis réveillé, je voulais dire à ma maman, mais j'ai eu peur de ce qui était à côté d'elle. Tu as eu peur? Oui, je voulais dire à ma maman de dire à mon papa, que voici à faire. Mais j'ai eu peur de me suis levé à côté d'elle. Je l'appelais, elle m'a dit, il y a quoi? Pourquoi tu m'appelles? Je dis rien. Je voulais dire. Elle a tout dit, elle a dit, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a à faire pour me dire? J'ai dit, il n'y a rien. Mais Seigneur, ça, vous croyez en Jésus? C'est qu'il est en train de dire. Vous allez à l'église? Ah oui, hey, prophète, il croit en Jésus. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit là? Il dit qu'il a eu un jour qu'il voulait dire ça à sa maman. Non, il dit, est-ce que vous croyez en Jésus? Oui. Il dit, je crois en Jésus. Vous allez à l'église? Oui, prophète. Bien. Si, prophète. Dans quelle église? Je suis de Sema. Église Sema. Dieu vous aime. Amen. Petit, tu n'as pas encore dit quelque chose à ton papa. Tu n'as encore rien dit. Sa maman, il voulait dire. Non, j'ai dit, tu n'as encore rien dit. Non, prophète. La nuit du 31, qu'est-ce que tu as fait à ton père? Qu'est-ce que tu as fait la nuit du 31 à ton père? Parce que la nuit du 31, c'est là ton papa devait mourir. Vous l'avez détruit. Et comme les gens n'arrivaient pas à voir, ils n'ont pas pu prendre ton père. Ils sont venus t'en sonner. Oui, prophète. C'est vrai, là? Oui, prophète. Pourquoi tu n'as pas dit ça à ton papa? Ils m'ont dit, s'il est dit, ils vont me tuer. Non, parce que la nuit du 31, c'était le funérailles, c'était ça, ton papa devait mourir. Le 31, vous devez fêter dans votre confrérie avec l'âme de ton père. Et ils n'ont pas pu, ils sont allés prendre l'âme, effectivement tu l'as transformé en cabri, mais ils sont allés prendre l'âme de ton papa, mais ton papa a disparu. Donc les gens sont venus te réclamer l'âme de ton père. N'est-ce pas? Vous faites, c'est la vérité. Mais pourquoi tu ne dis pas sans ton papa et tu nous racontes des histoires pour lui? Monsieur Nguessa. Prophète. 2019, là, c'est ton année. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jougouya, empoisonné. Eric Jougouya, quand on ne mange pas, là. C'est son nom, on appelle Jougouya qui est empoisonné. Eric, sorcier qui te loupe le 30e. Mais c'est de toi-même ta grâce. La grâce de Dieu est toute aussi toi. Alléluia. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé le 31? Parce que pour que déjà le premier, parce que le premier déjà, tu étais dans d'autres états jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que les gens y veulent? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous la scène. Parce que c'est une question de vie. Aujourd'hui, la vie de ton papa a été épargnée par la grâce de Dieu. Pas parce qu'il est parfait. Mais c'est la grâce de Dieu qui l'a protégé. En fait, le jour que j'ai pris l'âme de mon papa, c'était en décembre. On devait le tuer le 31. Mais le 31, on est venu, ils sont venus voir s'ils peuvent le tuer, mais ils n'ont pas pu. C'est pour ça qu'ils m'ont... Et il a disparu. Il faut expliquer ce qu'est la scène. La scène s'est produite comme ça, il a disparu. Ils n'ont pas pu avoir accès à l'âme de ton père. Ils n'ont pas vu. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est toi maintenant, ils veulent te prendre. Oui, prophète. Voilà, mais il faut expliquer. Ils m'ont dit que si qu'ils sont allés chez mon père, ils n'ont pas vu. Que c'est moi, mon père, qui j'ai accepté, j'ai dit oui.
Mais pourquoi tu déjoues maintenant les combien? Pourquoi tu déjoues les gens qui sont en transe? Pourquoi tu joues ça? Pourquoi tu fais comme tu es en transe et puis tu rencontres des bêtises aux gens? Te délivrer. Tu as tout fait du mal. Si tu veux tout expliquer là même là, c'est pas où partir. Mais tu demandes. Pardon. Monsieur Nguessa dit quoi, monsieur Nguessa, tu dis quoi? Non, il dit que l'enfant n'a qu'à demander pardon à Dieu pour qu'on puisse le délivrer. Sinon, s'il veut tout expliquer. Le pardon, il faut dire ce que tu as fait. Le pardon, il faut avouer ce que tu as fait. Oui, oui, qui est pardon? Effectivement. N'est-ce pas? Oui, oui, parfait. Non, je ne suis pas en train de le condamner. Oui, oui. Lui-même, il sait que s'il ne dit pas, ça ne l'arrange pas. Non, vous ne pouvez pas jouer au combien. Non, tu pratiques la sorcellerie, c'est la même chose. Mais vous pouvez te dédier ce qu'il y a là. Peut-être que tu n'as pas bien servi ce que je voulais dire. Mon papa dit que quand tu t'es levé, tu te disais non, c'est pas Herman, c'est mon génie, c'est Jédi d'Herman, c'est de la comédie. J'ai dit pourquoi tu es rentré dans cette scène de comédie là? Et puis tu n'es pas là l'essentiel. Vous faites, ce n'était pas moi. Hein? Ce n'était pas moi. Ce n'était pas toi, comment? Puisque tu connais bien l'histoire. Voilà, ce n'était pas toi, comment? Puisque tu connais très bien l'histoire du 31, tu sais très bien, ça n'a pas marché. Il tombe sous le doigt. Pourquoi disais-tu? Non, 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 mais saignez ça, s'il te plaît. Il a compris. Ne te mets pas, fois le doucement, va aider quelqu'un qui a besoin de notre aide. Tu ne feras pas mon travail à ma place. Moi, je suis en train de l'amener à comprendre des choses. J'ai compris. J'ai compris. Voilà. Ce n'est pas avec vitalité qu'on aide des gens. Il faut comprendre les gens, il faut les aider. Oui. Petit. Vous savez, c'est lui qui a dit, j'ai pas bien entendu. Ok, j'explique très bien pour que tu entendes. Ok. J'ai dit, le premier, vous avez mangé, n'est-ce pas? Ils t'ont retrouvé juste derrière la maison, n'est-ce pas? Et tu as fui après, ok? Et après ça, tu as commencé à compter des histoires et ça poursuit. Tu étais comme ça, tu as commencé à parler comme si tu avais quelqu'un qui, un esprit qui parlait au travers de toi. Or, tu connais la vraie histoire. Pourquoi tu n'expliquais pas la vraie histoire de tes parents? Et tu as commencé à rencontrer des coloris. C'est ça, je veux comprendre. Prophète, ce sont les esprits qui me poussaient à faire ça. Mais les esprits qui poussaient à faire ça, pourquoi tu ne dis pas la vérité? Prophète, après j'ai dit la vérité à mes parents. Quand? Le lendemain, ils m'ont demandé, j'ai dit la vérité. Tu as dit que tu es sorcier? Non, prophète. Ah, non, pas les sorcelleries. Est-ce que tu leur as dit la vérité? La vérité, c'est que tu es sorcier, n'est-ce pas? Oui, prophète. La vérité, c'est que le 30e, ton papa devait mourir, il n'a pas pu mourir. Ils n'ont pas pu le tuer. Ok? Oui, prophète. Mais cette vérité, pourquoi? C'est ça qu'on appelle la vérité. Puisque tu sais maintenant, ça sort. Tu es baoulé, tu vas faire quoi dans faire des du groupe? Hein? Elle dit que les sociétés, elles sont dangereuses. Toi, tu allais pourquoi dans les sociétés? Je te demande. En fait, c'est mon ami a dit que tu m'as donné la sorcellerie. Mais sorcellerie, là, tu peux aussi dire à tes parents, non, quand tu délivres. Vous faites la reine d'ici, je dis à mes parents, va me tuer. C'est aussi là. C'est ça là que je veux pas entendre. Si je dis à mes parents, ils vont me tuer. Donc, tuer tes parents là, c'est plus bon que toi-même ta vie. C'est-à-dire, il y a des gens qui sauvent. J'ai connu une histoire, hein, je rencontre une histoire maintenant d'un jeune homme. Un jeune homme qui est allé tout récemment, c'est encore du bon, on a vu ça sur les réseaux sociaux. Il y a un caterpillar qui venait sous la pluie. L'enfant, il a protégé, sauver son frère, son petit frère. Il s'est donné la mort. Le caterpillar vient l'écraser, il a jeté son petit frère là-bas. Donc, on meurt pour une bonne cause.
Tu veux être délivré? Oui, prophète. Est-ce que tu as réfléchi un peu? Parce que avant, parce que c'est ça aussi le problème. Il faut avoir cette capacité de réflexion, de réfléchir, de dire, mais quand je pose un acte, parce que c'est ça, à tes parents, tu penses à tes parents, tout ça, c'est important. Je veux être délivré pour quitter la sorcellerie. Je veux être délivré pour quitter la sorcellerie. Mais c'est maintenant que tu es en train de vouloir quitter. Puisque depuis que tu es venu, on t'a envoyé tout ça. Tu avais sur tes esprits encore. Le Seigneur s'est venu. Vous êtes là avec qui? Je suis là avec ma femme. Elle est où? Avec ma fille. Elle est là. Venez. La maman de Yaman. Ça va, madame Guessan? Oui, prophète. Ouais, vous avez bien écouté tout ce qui vient de se passer. Hein? On attend de l'aider. Ça dit peu importe ce que vous avez entendu. C'est des choses qu'on ne peut pas bien entendre. Apparemment, c'est des conneries, c'est difficile. L'objectif, c'est quoi? C'est de délivrer un monde. Oui, prophète. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va aller à l'essentiel, c'est de délivrer le monde. Mais en même temps, il faut comprendre que si le petit, c'est vrai que le papa et sa vie a été épargnée par la grâce de Dieu, parce que ça a été un sacrifice terrible. Et puis le Seigneur l'a épargné. Gloire à Dieu. Amen. Mais en même temps, Dieu est bon. Mais en même temps, donner pour véritablement au Seigneur. Quand il dit véritablement, ça dit il faudrait que désormais Dieu soit au centre de vos activités, Dieu au centre de votre vie. Amen. Pour ce qui vient de faire. Et si l'ennemi est en train d'agir comme ça, ça veut dire quelque part, il y a une petite porte. Voilà. Sincèrement. Vous avez permis au diable d'agir. Donc maintenant, c'est vous qui devez, n'est-ce pas, refermer cette porte en marchant dans le plan du Seigneur. Amen. On comprend. Alors, donc, je vais vous amener à accepter Jésus. Amen. Monsieur, madame, tout ça. Quand je vois le petit, j'ai l'impression de le voir comme un monstre, un gorille qui est en face de moi. C'est quand même... Je ne le vois pas comme un être humain, même je le vois comme un esprit qui se métamorphose. Mets ta main sur ta tête, petit. Tu veux que l'esprit sorte de toi? Oui, prophète. Oui, prophète. Alors, si tu es convaincu, Dieu va te délivrer. Amen. Délivrer totalement. Je vais être délivré totalement. Alors, si tu es sérieux, le Seigneur va te délivrer même à distance. Là. Amen. Amen. Je prie que la puissance de Dieu te touche là où tu es. Et je veux briser le pouvoir des ténèbres. Non, laissez-moi que je prie pour moi d'abord. Je veux briser le pouvoir de la sorcellerie. Cet esprit qui est en train d'animer. Pas au nom de Jésus. Salut-lui. Hey! Dégage. Sors, allez. Vite. Allez, dégage au nom de Jésus. Maudite à présent dans ce corps. Je te commande au nom de Jésus de Nazareth de libérer son âme. Sois de lui, allez. Dégage. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu écrase ton pouvoir. La puissance de Dieu écrase ton pouvoir. Sois de lui. Allez, lâche-le. Lâche-le. Tu libères son âme. Tu libères son âme. Tu libères son âme. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus de Nazareth. Je te commande maintenant, même, puissance des ténèbres, esprit de la sorcellerie. Je te commande maintenant, par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors de son corps. Sors. Tu pars
Et maintenant, c'est un ordre. Tu pars maintenant, c'est un ordre. Au nom de Jésus. Tu pars maintenant, c'est un ordre. Dans le nom de Jésus. Tu pars maintenant, c'est un ordre. Dans le nom de Jésus. Tu libères son âme. Tu libères son âme maintenant même. Dans le nom de Jésus, lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus. Lâche-le au nom de Jésus. Lâche-le au nom de Jésus. Sors. Sors et libère-le par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je proclame la puissance de Dieu sur ta vie. Je proclame la Seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth. Sors, libère-le. À la puissance qui est dans le nom de Jésus. À la puissance qui est dans le nom de Jésus. À la puissance qui est dans le nom de Jésus. À la puissance qui est dans le nom de Jésus. À la puissance qui est dans le nom de Jésus. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le au nom de Jésus. 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 Tu le libères maintenant. Tu le libères maintenant. Tu le libères maintenant. Lâche-le. Sors et quitte son corps. Voilà, va-t'en. 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 Libère-le des suites même par la puissance qui est dans le nom de Jésus de Nazareth. Lâche-le. 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 Vous le relevez. Montrez-le-moi ici. Quitte sa poitrine. Voilà, quitte sa poitrine. Voilà, quitte. 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 Tu pousses ton dernier cri et tu sors de lui. Pousse ton dernier cri et t'attends. Va-t'en. Va-t'en. Va-t'en au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Voilà, sors. Sors. Le feu c'est moi. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. Ça va? Regarde-moi. Regarde-moi droit dans les yeux. C'est fini, il est délivré. Allez, dégagez-le. Alléluia, alléluia. Mettez votre cri au milieu. Mettez votre cri au milieu. Et je prie pour eux, pour ça. Seigneur, merci que ta grâce. Je veux prier que la puissante main de ton esprit se manifeste. Je fais aussi la déprogrammation de tout esprit de mort, de ténèbres et de vie. Que la puissante main de ton esprit se manifeste, que tu agisses pleinement et puissamment dans le nom de Jésus. Merci d'intervenir. Merci de te glorifier. Merci d'agir fortement, puissamment dans leur vie. Je compte sur ta grâce. Je compte sur la puissante main de ton esprit qui intervient maintenant dans leur vie. Merci d'agir et merci de te manifester pour la seule gloire de ton nom. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. On dit Amen. Amen. Amen.